TPE 2018. Dans cette vidéo, nous traiterons de l'aspect économique et social du barrage de Grand-Maison. La construction du barrage de Grand-Maison a demandé un grand nombre d'entreprises pour sa réalisation, telles que les entreprises Résol Frères, Beck Frères, Léon Chanou et Fils, les Chantiers Modernes, la Société de Dragage des Travaux Publics, la Société des Grands Travaux de Marseille et la Société Générale d'Entreprises qui forment un tout, la Société de Construction des Barrages de Grand-Maison et du Vernet. Le barrage de Grand-Maison attire les touristes et amène à créer des espaces de loisirs. Les espaces principaux sont les visites du barrage, pédaler ou à pied ou la visite du musée. Les espaces secondaires sont la vision de l'architecture de la prouesse technologique, le site naturel exceptionnel, les sports de plein air, découverte de spécialités du terroir, restauration au musée ou des activités de haute montagne. Le barrage de Grand-Maison est un facteur de développement social. 1500 ouvriers ont été déplacés pour sa construction, de la création d'un village EDF, création d'écoles pour nouveaux arrivants et la modernisation des voies de communication, routes, lignes téléphoniques ou internet. Created using Powtoon.